Ladies and gentlemen, I've got the big pleasure to present you Cuckoo Senu. Yeah. Tonight, game without yes, without no. Yeah. And World TV with Pierre-Nicolas. Wonderful. Claret. Wonderful. Television. Oh, yeah. And, nice. The pretty girl, Sophie Favier. Oh, yeah. Sophie Favier. Yeah. Oh, yeah. Patrice Camus. Yeah. Vous faites ça, ça va les gars? Oh là, on s'entraîne pour je sais pas moi, c'est une idée de Charlie. Bah j'ai moi, mal je voulais dos. Pas le faire. Ah non, on vous adore, on adore tout ce que ça vous sera faites. Pas bon ce soir, les gars, je suis désolé. C'est lui qui m'a poussé. Monsieur, bonsoir. Hello. Bonsoir. Salut. Un petit tour ici pendant que vous êtes chez vous. Sans jeunes gens, sans madame, sans monsieur. Bien, ravi de vous recevoir sur ce plateau donc. 102 de la Maison de la Radio pour Cuckoo Senu. Et je vais vous demander immédiatement d'accueillir avec moi, puisque ce soir il n'y aura pas, vous le savez, nous sommes vendredi. Donc, comme chaque vendredi, vous le savez, c'est un ni oui ni non avec les gendarmes, bien évidemment. Nous allons recevoir immédiatement un des plus grands comédiens français. Je vous demande de lui faire évidemment un triomphe. Le voici, Fabrice Luchini. Attention, mesdames, messieurs, Fabrice Luchini, le voici, le voici. Ravi de vous recevoir. Moi aussi. Ravi. Ça fait combien de temps que nous nous étions vus? Un an ou deux. Un an et demi, moi j'avais dit, vous voyez, je tapais dans un an et demi, on n'était pas loin. Donc il n'y aura, je suis désolé, mais il n'y aura pas d'énigme ce soir, mais il n'y aura ni oui ni non, vous allez peut-être m'aider, on va téléphoner à des camarades gendarmes. Oui. Vous avez votre permis de conduire? Oui. Ça tombe bien. Et on va rejoindre immédiatement Patrice Carmouze, que vous connaissez également. Oui. Et son camarade Pierre-Nicolas Clairet, que vous connaissez pas du tout. Pas du tout. Très bien. Ça va, vieux? Allez, je vous en prie. Ça s'applaudit une cascade, hein, monsieur, je vous signale. Ici. Patrice, vous savez qu'il y a... Hop, pardonnez-moi. Vous avez le petit fourreau ici pour mettre le micro. D'accord. Cher Fabrice, où en sommes-nous, cher Patrice? Nous en sommes à peu près au début de l'émission. Et donc, Pierre-Nicolas Clairet... J'avais des doutes. Alors, Pierre-Nicolas, cher Fabrice Luchini, Pierre-Nicolas Clairet... Avec son satellite, il est là. Fait partie des allumés de la télévision. Est-ce que j'ai lu que vous-même étiez très féru, c'est-à-dire que vous en regardez 2 heures par jour, m'attendez. Oui, minimum. Vous savez que c'est beaucoup. Oui, vous allez voir un jour. Vous êtes en dessous de la moyenne. Hein. En dessous, voilà. Vous êtes en dessous de la moyenne. Ah, oui. Ah très bien. La moyenne nationale étant de plus de 3 heures. Plus de 3 heures. Mmh. En France. Mmh. Probablement même plus de 4 heures. Plus de 5, 6, 7, 5, 6 heures. Ça fait un paquet. La moyenne est très élevée. Hein. Pierre-Nicolas, que nous avez-vous apporté aujourd'hui? Puisque Pierre-Nicolas Clairet s'occupe des rubriques télévision dans le monde. C'est-à-dire que nous allons regarder uniquement des choses qui se passent ailleurs. Voilà. J'avais des idées de sport pour ce week-end. Des sports qui détendent, qui relaxent. Alors d'abord, on va aux États-Unis. Est-ce que vous faites du sport, Fabrice? Un petit peu. Quel genre de sport? Équitation, marche à pied et... Ça va venir. Voilà. Mais j'ai pas ça. Pétanque. J'ai pas. J'ai d'abord aux États-Unis sur la chaîne du sport ESPN, la finale nationale. Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'aviez pas là une espèce d'arrière-pensée pour nous faire supposer un truc un peu cochon sur le troisième sport? C'est pas le genre. Excusez-moi. J'ai pas ça non plus. La finale nationale du championnat de bodybuilding. Premier sujet. Deuxième sujet, ça garçon se passe... ou fille? Vous verrez. Très bien. Mystère. Deuxième sujet, c'est en Italie. C'est des images qui nous viennent de TV5 Europe. Ça s'appelle la soule. Ça ressemble un petit peu au rugby. C'est l'ancêtre du rugby. C'est beaucoup plus violent. Comment s'appelait l'autre avec la calebasse? C'est avec une calebasse que ça se joue la soule, n'est-ce pas? Oui, une sorte de calebasse. Enfin, ça ressemble plus à un ballon de rugby. Très bien, excusez-nous. Vous parleriez peut-être de la pelote ou de sport comme ça. Là, bon, c'est comme le rugby, sauf que tous les coups sont permis. On a le droit de tout faire. Bon. On ira au Portugal, sur la chaîne RTP International, voir la corrida portugaise. Alors j'ai essayé de me documenter. J'ai été voir nos confrères de Radio Alpha, c'est la radio portugaise de Paris, et ils m'ont expliqué comment ça se passait. C'est comme la corrida normale, sauf qu'on ne tue pas le taureau tout de suite.
On ne le tue pas tout de suite. Le but du jeu, c'est de prendre le taureau. C'est-à-dire qu'on va encore, choquer les gens qui aiment les animaux. Non, de prendre le taureau, de prendre le taureau par les cornes. Des forcados, ça s'appelle des forcados qui sont. Ouais. On va voir. Pas d'opinion. Non. Mais par contre, accéder. Polak m'a emmené, Michel. Je vous raconterai. Et oui. Et comment s'appelle-t-il? Spartaco. Celui qui s'occupait de Libération. Il y avait Serge Julie qui était maintenant Jean-Marcel. Et j'ai eu la chance, on ne va pas en faire une heure non plus, parce que ce n'est pas très non plus Durand, universel. Il y a Durand. Non, mais, moi je reste à Durand, je ne reste pas à Durand, je reste à Bougreau. Bougreau m'a invité, m'a fait décoder tous les trucs et j'ai été étonné. En deux mots, je me suis retrouvé en sortant de ce lieu-là en me disant c'est au-delà du bien, au-delà du mal, au-delà du lait, il y a quelque chose d'unique qui se passe. Je n'ai pas d'opinion, je ne m'y connais pas assez. Ouais. Il frappe très très fort. Sans op, mais quand même avec quelque chose qui est resté. Quelque chose qui est lié quand même à quelque chose qui est comme la naissance. Vous avez certainement eu, Christophe, accès à un accouchement, soit de votre femme. Je vous le confirme, de mes enfants surtout, oui. Donc, en plus, vous êtes d'une génération un tout petit peu plus jeune que la mienne, donc vous connaissez très bien. Très, très peu. Oui, mais quand même, rappelez-vous l'époque, quand même en 72, les gens faisaient la guitare, ils faisaient un jour... L'habitude, et l'enfant sortait. Ah, était trop, tu as pesé ton fardeau. Et sans regret, tu as dit à bientôt. Et tout le monde chantait au milieu de l'enfant. On les mettait dans l'eau après, il y en a qui restaient. Alors on a dit, il ne faut peut-être pas aller trop loin là-dedans non plus. Et pour en revenir, et je vous redonne la parole tout de suite, c'est que après, c'est devenu non, il faut redevenir à la réalité masculine méditerranéenne. On ne regarde pas du tout, le père est là, marcher au sommet. Donc on a connu tout ça. Donc Christophe, fréquenter ce moment unique. Putain, l'habitude. Voilà. Et on est, quand on voit cet enfant, ce moment unique, qui sort, on est dans un état bizarre parce que c'est ni beau ni laid. Oh, c'est beau. Non, c'est pas beau. On verra ça, on n'a pas le temps. Excusez-moi, deux secondes. Excusez-moi. Est-ce que ça vous est arrivé? Ah, bah oui. Bon, c'est beau. C'est ni beau ni laid. C'est autre chose. C'est très. Non, on parle des taureaux. Je pensais que vous parliez de la tauromachie. Oui. Eh ben, vous voyez. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous dites Nietzsche, il dit waouh, il fait fort, et après vous décrochez. Hein. Non, parce que justement, la corrida portugaise, ça n'a rien à voir avec la corrida espagnole. Ça n'a strictement rien à voir non plus avec un accouchement, Fabrice. On en parlera. Ça dépend, ça peut être une naissance, en effet. Ah, et vous verrez donc la pégare, c'est le moment où l'on prend le taureau et on doit l'arrêter à main nue. Ça s'appelle la pégare. C'est qui, Manu? À Manu, très bien. Nous allons donc voir ces images maintenant. Oui, c'est mieux d'ailleurs de voir les images. C'est parti. Fabrice, vous êtes avec nous? Absolument. C'est parti. Paula reminds me of two bodybuilders. Has the presence of a Penny Price and the same kind of sensuality of a Deborah Diana. These may be names that some of the current bodybuilders may not recognize, but these women were always top names. Et c'est une fille. Mais elles sont pas nombreuses. Quite a while, and really posed in a very steady position there before turning around and giving a front view to the judges. Oh! Paula's strength is her symmetry. C'est effrayant. Est-ce qu'elle a une vis? I mean, you know, there's muscle and there's line. Est-ce qu'elle a une vis? Elle a une vis sportive, je pense aussi, quand même, surtout. Imagine le mec qui lui dit. Terrific definition in her chest. On peut pas mettre moins fort les commentaires. C'est, ça a l'air d'être votre truc, Fabrice Lucchini, quand même, ça. Ce côté féminin, gazelle, panthère. T'imagines, quand même, c'est vrai, vous dites, elle fait la connaissance d'un garçon à soi, elle le ramène à la maison. Ce qui est très curieux, c'est qu'elle a très peu de poitrine. Elle a beaucoup, mais c'est que du muscle. Ah, oui. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la foule. Hyper violent. Vous allez voir, tout est permis. Hein. Un sport comme on aimerait les voir régulièrement. À le week-end, ça détend. Voilà. Et c'est où, au Portugal? Ça, c'est en Italie. Ah oui, c'est les Italiens. Bon, monsieur, il l'a pris directement dans le pif, vous avez vu? Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de les achever après? Ça, je ne sais pas. À la corrida, non. Il n'y a pas tellement de règles. Là, il faut avoir des abdominaux très sérieux, Fabrice. Vous êtes sportif. Des bras aussi. Oui, des abdominaux aussi, Voilà. Il faut arrêter le taureau, à main nue. Puis même des coucougnettes parfois aussi. Hein. Ils ont des protèges. Ils ont des... Cela dit, il y avait des un prothèses. Non, il y avait un torero qui disait « J'ai pas besoin de me protéger les coronnes, est-ce que ça se balle comme ça, parce qu'elles sont tellement petites quand je... » Tiens, regarde le choc, regarde le choc, regarde le choc.
Là, le choc. Toum. Ah, faut l'arrêter la bête. Ils se mettent à plusieurs même. Hein. Ah, oui. C'est très sportif. On peut applaudir ces garçons qui ont beaucoup de courage, n'est-ce pas? C'est pas le... Alors ça, c'est très différent. Non, regardez pas les... C'est très différent. Ça s'appelle les forcados. J'ai deux petites news, si vous voulez, deux petites infos. Tout d'abord, la télé égyptienne vient de démarrer vendredi dernier. On la reçoit maintenant très facilement. Farid Latrash. Farid. 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 Parfois, j'ai peur. Hein. Parfois. Où en étions-nous? Fabrice, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu et ça va très bien. Bah, je suis content. Vous êtes en pleine forme. Oui, je tourne des choses qui mettent beaucoup d'énergie. J'ai tourné toute la nuit avec Isabelle Adjani. Mais c'est pas ça, je le dis rapidement. Allez-y. Pourquoi vous êtes... Parce que c'était une scène de nuit. Allez-y. Allez-y. Non, je préfère. Mais moi, je vais la télé. Non, vous permettez, excusez-moi. Ah, c'est vous le chef, d'accord. J'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous venez de faire avec Isabelle Adjani. Je faisais une scène qui était... elle était allongée. S'il vous plaît. Et moi, je devais rester neutre. Et ça, c'est... Bienveillant. C'est à votre avis? Oh, ben vous avez dû y arriver, formidable acteur que vous êtes. Bienveillant. Les deux. Et à l'écoute. Magnifique. Quel métier? Oui. À votre avis. Tout ce que vous aimez. Psychanalyste. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Directeur de grand magasin, rien du tout, vous en parlerez tout à l'heure. Tout à l'heure, on va y venir. Très bien. Et c'était quoi le rapport avec l'Égypte? Ben, je le crois pas. L'Égypte, c'est parce que je suis... on a parlé avec Isabelle de mon amour immense pour Farid Latrache. Qui est le plus grand chanteur égyptien, qui est l'équivalent masculin d'Oum Kalthoum, mais qui fait le coup de frime. C'est, les gens disent Oum Kalthoum, mais le mec, il veut un peu frimer, fait Oum Kalthoum. Le problème d'Oum Kalthoum, c'est... Tu peux dire Oum, on voilà, sait voilà, hein. Oui, là, c'est très fort. Hein? Tiens, je n'avais pas pensé. Le problème avec Oum, c'est... c'est comme un rapport au récit, quoi. C'est... difficile d'intégrer cette tradition qui en même temps... Allez-y, parce que c'est... Je voulais dire que c'était intéressant parce que c'est un peu le Hollywood du monde arabe et je vous montrerai des images, ça va être très intéressant. Merci Pierre-René. J'avais une petite info. Allons-y. On vient de réussir aux États-Unis la compression numérique d'images, c'est super. Ah oui, ça c'est une petite info. Ouais. Ouais, c'est une petite info, ça veut dire que dans un câble, là où on passait une chaîne, on en passe 10. Et il y a un petit réseau américain qui a quand même 1 million d'adhérents qui propose maintenant, depuis un mois, 500 chaînes de télé aux gens qui ont le câble. 500 chaînes de télé. Il y a quoi sur ces chaînes? Il y a de tout. Ah, le monde entier. Il y a le monde entier. Il y a beaucoup de télévisions, de communautés. Il y a 500 chaînes de télé. Aux États-Unis? Ah oui, aux États-Unis, il y a plus de 500 chaînes de télé. Ah bon? Il y a des télés communautaires très très petites. Ah oui, il y a des mecs qui ont des V8 aussi, là, il y en a un paquet. Hein. Ah oui, et le programme, il fait 6 kilos et des poussières toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il raconte? Le programme de télé qu'on reçoit chaque semaine à la maison, le livre, le bouquin. Le TV Guide. Fait un peu plus de 6 kilos guide. Toutes les semaines. Est-ce que vous êtes d'accord, Fabrice? Et nous reviendrons sur votre actualité d'ici quelques instants, ainsi que certaines questions téléspectateurs, voire téléspectatrices. Est-ce que vous êtes d'accord donc pour que nous envoyions la pub? Immédiatement. Allons-y. Il n'y a pas de probe. De la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Fabrice Luchini qui reste avec nous, qui a bien fait. Et nous allons maintenant immédiatement parler de votre actualité, Fabrice, je l'avais promis tout à l'heure. Je tiens mes paroles, nous revenons. Et on va parler, depuis le 11 novembre de la sortie de Rien du tout, oui. Qui est un premier film. Clapiche. Oui. Cédric. Premier long métrage. Oui, original. Lui. Lui, oui, vrai original. Le vrai. Film aussi. Il fait rire Clapiche sans caricaturer. Sauf la communication qui est caricaturée. Ah oui, film. Donc c'est moi qui ai caricaturé, puisque c'est moi qui incarne la communication. Mmh. Mais là, le regard qu'il pose sur les gens est à la fois extrêmement drôle, mais jamais, jamais poussé, jamais méchant. C'est curieux, moi j'aurais fait le même film extrêmement méchant. Tous ces malheureux dans ce magasin, j'aurais fait des trucs très différents. Lui a un regard affectueux, mais pas niais et efficace. Vous avez l'air emballé. Ah ben moi je dis que c'est très très Clapiche est très important, ça y est, maintenant c'est clair. Il y a Christian Vincent qui est très important dans les jeunes metteurs en scène. Clapiche est un grand metteur en scène Cédric comique. Clapiche. C'est-à-dire que sans avoir du génie à la Tati, là, il est arrivé de faire un film exceptionnel, d'une drôlerie étonnante et surtout avec un regard chaleureux, affectueux et en même temps c'est la vie des gens. C'est la vie des gens, ces gens qui sont en face parce qu'il faut qu'ils soient performants. C'est-à-dire que ce mec arrive et dit
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, par exemple, dans votre émission, imaginez que vous disiez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une telle ? Personne ne lève la main. Et vous réalisez, mais votre équipe est assez petite, et je ne vois pas du tout pourquoi je me lance là-dessus, parce que c'est totalement rasoir et que ce n'est pas du tout le film. Donc arrêtons. Le film s'appelle rien du tout. Il y a 50 acteurs exceptionnels. Ah, y compris Odette Laure. Marc Bergman. Je ne vais pas tous les citer, il y en a 50. Tous les citer serait impossible. C'est un film exceptionnel, drôle. Il est encore dans beaucoup de salles à Paris. Il va faire les fêtes et c'est formidable. Formidable. Et en tout cas... Et puis pas prise de tête. Si on suit son emballement, je ne pense pas qu'on puisse être déçu une seule seconde. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Fabrice Luchini pour ses performances. Et éventuellement de vous précipiter au cinéma pour voir rien du tout. Et ça parle de communication... et de bourrage de crâne, et d'énergie, et de force de vente, etc. Patrice. Eh ben on va demander peut-être aux téléspectateurs qui ont envie de poser des questions à Fabrice. De les recevoir immédiatement. Première question, bonsoir, allô, qui est là? D'où nous appelez-vous? Fabrice Luchini vous écoute, bonsoir. Non, à lui. Bonjour, c'est Nadia, de la Suisse. Bien sûr, bonsoir, oui, de Suisse. Oui, de la Suisse. Très bien, de quel canton? Du canton de Berne, la capitale. Le canton de Berne. Oui. Fabrice Luchini vous écoute, vous connaissez la Suisse également? Oui, oui. Allez-y. Alors, quel est votre plus gros défaut? Là, il y a du boulot. Ben, quand je me sens pas aimé ou quand je suis victime d'une injustice, j'ai plein de mauvaise foi. Mais je vais vous répondre. Votre prénom, c'est Nadia. Mais c'est un prénom musulman? Oui, c'est beau. Marbin Nadia. Oui, Ramsine. Oui, Achnedelflos. Eh bien, je vais vous répondre, Nadia. C'est où, bah? Nadia, je vais vous dire. Nadia. Elle vous écoute. Tu sais, avec tous. Je vais vous dire, Nadia, quelque chose de très simple. C'est que vous pouvez la regarder directement, c'est la caméra 3 qui est à votre droite. Nadia, J'avais un professeur de théâtre qui s'appelait Jean-Laurent Cochet, qui a été le prof de Depardieu, de Richard Berry, de plein d'autres acteurs, et qui nous avait enseigné une chose qui est importante dans la vie et qui nous ouvre des portes incroyables. Il faut que les gens arrêtent de parler sur la gauche. Je vais vous dire, voyez, ça c'est le mauvais caractère. Dès que je parle, je déteste qu'il y ait du bruitage. Vous avez vu, moi, hein, voilà. Je vais vous dire. Une sagesse exemplaire. Je vais vous dire, nous n'avons finalement que les défauts de nos qualités, et ce n'est pas du tout un lieu commun de répondre qu'on n'a que les qualités de ses défauts. Donc c'est jamais. Séparable, il n'y a jamais de possibilité de séparer les deux choses. C'est-à-dire que quand vous êtes un impulsif, le défaut, c'est que vous êtes impatient, mais quand vous êtes impatient, la qualité, c'est que vous êtes spontané. Et il y a plusieurs questions qui arrivent. Bon, alors j'y vais. Merci beaucoup, Nadia. Ben, à bientôt. Merci à vous. Au revoir, Nadia. À l'émission Coucou, c'est nous. Plein de bonheur et plein de santé. Et ben, nous aussi, Nadia. Salam alaikum. Salam alaikum, Nadia. Je suis très maghreb ce soir. Allez-y. Oui. Allez-y. Allons-y, bonsoir. Au revoir. Au revoir, elle s'arrache. Ah non, je croyais que c'était la nouvelle qui, dès le début, s'était arrachée. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle, qui est là? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Christophe, Fabrice, Patrice et tout le public. D'accord. On vous écoute, jeune homme. Quel est votre prénom? Vanessa, c'est une fille, pardon, excusez-moi. Oui. On vous écoute, mademoiselle. Enfin, c'est Fabrice, surtout. Ben, je vais vous dire, je n'ai pas choisi tellement, je faisais un autre métier, puis un jour j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de faire des films. Quel était-il? J'en ai fait, ben, c'était Philippe Labrou, après c'était Eric Romer. Mon premier métier, ben, j'étais coiffeur, j'étais apprenti coiffeur dans un salon de coiffure, et j'adorais le rhythm and blues, alors je ne vais pas raconter la vieille histoire. On ne pas s'emmerder dans le salon de coiffure. Et j'ai rencontré un metteur en scène qui m'a proposé un petit rôle dans son film, après un autre metteur en scène, c'était Eric Romer. Et je me suis retrouvé à faire des films petit à petit, très lentement, de manière un petit peu misérable au début. Et voilà, maintenant c'est un peu mieux. Vanessa? Oui. Ça va? Ça va, oui. La réponse vous convient? Oui, très bien. Une autre petite question à Fabrice Luchini qui est là? Oui, c'est Patrick. Ah oui. Ça fait un choc. On vous écoute, jeune homme. D'où nous appelez-vous? Dupec. Dupec. Patrick Vizinet? Patrick Dupec. Patrick Dupec. D'accord. Vézinet Le Pec. Oui. Vézinet Le Pec. Patrick du Vézinet Le Pec. Oui. Alors, Fabrice, le fait d'avoir joué des personnages psychologiquement perturbés au début de votre carrière est-elle une psychanalyse personnelle?
Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ben non, parce que moi, j'ai toujours été le premier étonné qu'on me donne toujours des personnages au début de gens qui étaient comme ça, apparemment pas hyper normaux, pas apparemment hyper souriants. Je me disais, ils se trompent beaucoup parce que mon tempérament dans ma vie est tout à fait le contraire des personnages que je joue. Donc, dans la vie, vous êtes comme vous êtes là? Non, ça n'a rien à voir. Écoutez, Christophe, imaginez deux secondes à quel point c'est absolument pas normal comme situation. La seule chose où on est soi-même, c'est quand vous allez déjeuner chez votre maman le midi, vous habitiez à Montmartre, moi aussi, et quand on déjeune chez notre maman, on mange, on est aimé, on regarde la télé. Mais là, vous êtes là, aimé, on ne mange pas, mais vous êtes aimé. Hein. Oui, on est aimé, mais on est nous-mêmes réellement dans peu d'endroits. Donc, pour vous répondre, non, il n'y a pas de psychanalyse dans ce métier. Puis surtout, si des fois des acteurs pouvaient imaginer une seule seconde que ce métier est fait pour se psychanalyser, ils auraient tort, complètement tort. Bon, je dis ça, je pourrais dire le contraire. Ouais. En tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, Patrick. Ça vous va, Patrick? Oui, merci. Au revoir, Dupec. J'aimerais revoir, élaborer. Bonsoir, bonne fête de fin d'année à tous. Ah, oui. Vous aussi. Ok. Vous aussi. J'adorerais une autre question. Elle arrive. Bon. Elle arrive. Parce que pour le moment, je me suis senti très moyen dans les réponses. Allez-y. Elle arrive, elle arrive. Allô? 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 Bonsoir, oui. Mademoiselle. Ah, voilà. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Aurélie. Aurélie, quel âge avez-vous? Bonsoir, Aurélie. J'ai 20 ans. 20 ans, Fabrice Blune. Oui, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi, je vais demander à Fabrice d'abord ce qui l'attirait chez les femmes, ce qu'il recherchait. Et ensuite, quelles étaient ses armes de séduction à lui? Ce que j'aime chez les femmes, c'est le charme, la vivacité, la drôlerie, la beauté, toutes les choses conventionnelles. Qu'elle soit musicienne. J'adore qu'elle soit... je vais vous répondre. J'adore qu'elle soit physiquement assez ronde. Oui. Non, mais moi, je voulais te savoir, en fait, outre les critères physiques, quoi. C'était pas vraiment ça, le sens de ma question. C'était surtout l'intérieur. Oui, c'est marrant, parce que vous êtes très primaire sur ce coup-là, oui. Je trouve. Alors, l'intérieur... Quelles sont les qualités, ouais, intérieures que vous recherchez? Chez une femme? Ouais. Bah, tout ce qui est féminin, c'est-à-dire la douceur, la maîtrise dans les problèmes du quotidien, la capacité unique que les femes ont à être 10 fois plus intelligentes que nous. L'intelligence instinctive, par exemple, cette chose qui est la chose... Savoir piger immédiatement le moment où il faut aller faire la vaisselle ou un truc comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était pour rire, c'est pour rire. Je pense que les hommes sont très lourds, très maladroits, un peu hésitants. Et je trouve les femmes beaucoup plus dans la vie. Alors que les qualités que j'aime chez les femmes, c'est cette affirmation de leur supériorité évidente et naturelle. Car je vous le répète, vous êtes ouais, les pas non plus. Si, je pense ça totalement. C'est-à-dire que tap, tout le temps. Qu'elle montre tout le temps qu'elle est très intelligente. Ah, mais elle n'a pas besoin de le montrer en parlant, puisque par essence, les femmes sont 100 fois plus intéressantes que les hommes. Bien sûr. Rien dire contre ça, hein. Et pour vous répondre, il faut que vous soyez très... Il faut que les femmes laissent croire aux pauvres garçons que leur caprice, leur autorité, c'est très important, parce qu'en réalité, on sait très très bien que la bonne réponse aux questions vienne immédiatement et surtout chez les femmes, et que les mecs hésitent tout le temps. Les femmes sont immédiatement, par la possibilité, cet privilège exceptionnel d'avoir donné cette faculté d'enfanter, leur donne, les enfants, croyez-moi, une supériorité totale. Et je vous aime. Est-ce que je vous aime. Ouais. Est-ce que ça vous va Ouais, c'était... Mais j'aimerais qu'on parle un soir, appelez-moi à la maison. Je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous verrez, moi je n'aime pas le temps comme il est pourquoi là vous vécu. Donnez-le là. J'ai pas le temps. Oui, donnez-le bon. Maintenant. Oui, bon. Je vais vous le donner, rappelez-moi après. Dit-il, croyant qu'il y aurait des milliers de coups de fil alors qu'il n'y en aura absolument que 3-4. Mais vous plaisantez, avec tout ce que vous venez de dire, vous allez avoir 350 appels féminins ce soir. Qu'à voir les filles, comment elles étaient énervées, quand vous avez dit qu'elles étaient extraordinaires. Bah, elles sont supérieures à l'homme. Supérieures, oui. Supérieures à l'homme. Pas partout. Voilà. Mais, bon, d'accord. Pas partout. Nous enchaînons avec une autre question, parce que sinon il va piquer du nez dans 2 secondes. Allons-y. Allons-y. Fabrice Lucchini, bonsoir. Allô, il vous écoute. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Christophe et Patrice. Quel est votre prénom? C'est Sonia. Bonsoir, Sonia. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Oh, rien. D'où nous appelez-vous? De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. C'est à quoi? C'est à 20 minutes?
Ça n'est pas je plaisante. Il vous écoute, Fabrice Luchini vous écoute. D'accord. Je vois donc que vous vouez un culte absolument exceptionnel aux femmes. J'aimerais savoir si vous auriez aimé pouvoir porter un enfant. Là, on n'est pas rendu tout de suite, à mon avis. Hein. C'est une belle question. C'est une, ah non, c'est une très jolie question ouais. Mais on n'est pas rendu tout de suite. Là, vous me demandez un travail énorme d'acteur, savoir si je pouvais... Ah non, on peut être sérieux deux secondes. Oui, on peut être sérieux. Il y a eu un film comme ça. Oui. Avec Mastroianni. Bon, je dis ça pour me dire. On peut peut-être, en attendant, prendre une autre question. Une autre question hein? moins conséquente. Désolé, celle-là était un peu conséquente, mademoiselle. D'accord. Au revoir. Au revoir. Vous nous rappelez, si vous en avez une un peu moins conséquente, vous nous rappelez dans deux secondes. Oui. Merci. On va prendre un... Mais la question était jolie. Hein. On va prendre un nouvel appel pour Fabrice Luchini. Bonsoir, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Christophe. Et bonsoir, Patrice. Encore. Bonsoir, Fabrice. Fabrice, c'est Fabrice, c'est ça, oui. Bonsoir, Fabrice. Voilà, oui. C'est Francis de la Selle Saint-Cloud. Francis de la Selle Saint-Cloud, bonsoir. Voici ma question. De ces quatre personnages, lequel aurait souhaitez-vous interpréter? Alors, et pourquoi, bien entendu? Pétain. C'est une question de c'est absolument ça ne fait rien, on écoute tout de suite. Oui. Alors, Pétain, De Gaulle, Madès France ou Mitterrand? Et pourquoi? De ces quatre personnages, lequel auriez-vous aimé incarner, c'est ça? C'est ça, aimé interpréter, ouais. Souhaiter interpréter. Oui, faut interpréter, oui. Pétain, De Gaulle, Madès France ou Mitterrand? Pour approcher une toute petite formulation de ce qui serait le discernement, c'est d'essayer d'interpréter les gens qui sont pas... Tu penses que c'est pas ridicule si tu le joues. Donc quand on lit des scénarios, on se dit, bon, celui-là, c'est peut-être pas utile parce que je pense que je pourrais pas le défendre. Et dans les quatre personnes que vous avez citées, la montagne Lachée, oui, montant la montagne, comme ça, avec les gens derrière, très... Une autre question? Non. Ça vous va Ouais, oui. Pas, non, mais non, j'ai pas envie, j'ai pas... Non, je vais vous répondre. Ouais. Quelle est la situation? Je joue jamais un personnage... Oui, ça se passe où, d'abord? Vous êtes emmerdant aussi. Vous posez des questions, vous mettez les gens dans l'embarras, vous leur donnez pas de détails. Si ça se passe où, votre histoire? Si vous mettez un des quatre personnages, c'est pas ça qui est très important. Je réponds ou pas, sinon... Oh, oui. Si vous mettez un des quatre personnages en une situation précise. Bon, le dernier, il marche rue Jacob dans le 6e arrondissement. Il y a une énorme meuf qui lui propose un truc, mais lui doit finir son livre. Ça, j'essaye de défendre la situation. Vous me parlez de personnage en tant qu'identité. On ne joue jamais une identité, on joue des situations. Donc, ce n'est pas tellement important de savoir si on a envie de jouer Mitterrand ou De Gaulle. On a envie de savoir... Bah, c'est pourtant la question. Mais non, parce que c'est important. Mais non, mais la question, elle ne peut pas avoir de réponse. Ce qui est important, c'est non, dans quelle situation un de ces quatre doit-il être défendu? Comment? Non, ce n'était pas ma question. Non, la question était toute simple. Hein. La question était, lequel de ces quatre personnages historiques, lequel auriez-vous aimé interpréter? Le plus que les autres, ça dépend. Ça dépend de la situation. Mais il veut dire que ça ne peut pas se résumer à la question lequel auriez-vous aimé être. Voilà. Ouais. Hein? J'ai interprété ça. Ouais, un petit coup de main de Patrice, de temps en temps, n'est pas négligeable. Ah hein. Bah, c'est pas négligeable. C'est pas la même chose. C'est quoi. Pas jouer la même et être. Chose, hein. Ben, voilà. Christophe de Chavannes, c'est l'efficacité chaleureuse et bienveillante. Et Patrice est beaucoup plus pointu. Ah oui, ah oui. Moins efficace, beaucoup plus ridicule, non. Mais très pointu. Attachant. Oh. Très, très attachant aussi. Allez, attachant. Pas de compromis. Bon. J'aime bien le mot attachant. Quand on dit quelqu'un qui est attachant, oui. Ah bah c'est bon signe. Ah bon. Peut-être. Très bon signe. On y va vite. Allez-y rapidement, parce que là on est très 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 à la bourre. On va simplifier. C'est toujours des cadeaux de Noël. On peut gagner tout ça. C'est des ordinateurs. C'est exactement comme les ordinateurs des adultes, un peu moins compliqués. Ils portent ça, les ordinateurs portables. C'est pour quel âge? C'est 10-13 ans celui-là, mais il y en a des plus petits, etc. Vous le voulez? Attendez, celui-là il est plus compliqué. Encore, si c'est pour votre fils. D'accord. Voilà. Et il y en a un qui n'est pas portable. Voilà, mais donnez-lui tout. Tout, comme ça vous choisirez. Ça dépend de l'âge. Ah, ça, moi, qu'est-ce que j'ai de d'autre? J'ai un petit robot qui est pas mal. Carrément. Vous détestez faire des cadeaux? Non, allez dans les magasins, j'ai pas le temps. Le robot? Le robot est pas mal, lui. Faut pas oublier qu'on fait gagner des objets aussi. On fait gagner, absolument. Oui, on peut les gagner. Vous pouvez peut-être dire quelque chose? Regardez, il y a Manu qui vous fait des grands signes. Eh ben, c'est des ordinateurs, donc Yéno portable, je viens de le dire. Et parlant. Et parlant. C'est-à-dire que. Est-ce qu'on pourrait l'écouter? Qui? Ben, le parlant. Ah, mais non, parlant, c'est les ordinateurs qui sont parlants. Lui, si vous l'appuyez là, ça le chatouille, donc il rit, enfin, de jolies choses comme ça. Oh, c'est affligeant. Vous voyez?
C'est un robot. C'est un, oui, c'est un robot. D'accord. Très bien. On va peut-être faire un ni oui ni non avec une gendarmerie. Allez-y. Ah oui. Hein, qu'en pensez-vous? Alors attention, soyez prêts, vous allez peut-être nous aider. Nous sommes avec la gendarmerie de Bourgoin. Allô? Oui, est-ce que la gendarmerie? Oui, pardon de vous déranger, monsieur. Bonsoir, Christophe de Chavannes à l'appareil. Coucou, c'est nous. Oui. Oui, je suis avec Fabrice Lucchini qui est avec moi. Oui. On dit bonjour aux gendarmes. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Pardon de vous déranger. Hein. Vous êtes pleine bourre, peut-être. Est-ce qu'on peut vous proposer un ni oui ni non de manière à gagner un filet garni, monsieur? Si vous voulez. Sans vous désobliger. Hein. Quel est votre prénom? Thierry. Thierry. Vous êtes gendarme? Oui. Vous êtes en train de faire la sieste? Vous étiez en train de faire la sieste? Gendarme? Comment? Non, je dis, on vous dérangeait dans le boulot? Un petit peu, là. Excusez-nous. Vous avez une minute? Vous êtes prêt? Allez-y. Bien. Vous êtes donc gendarme? Ça fait combien de temps que vous êtes gendarme? Quelques années. Quelques années, 3 ans, 4 ans? À peu près. Déprimé? Comment? Déprimé? Pas du tout. Plutôt content? Assez. Sens de la fonction et du service que vous pratiquez réellement? Tout à fait. Bon, parce que... Est-ce que vous êtes un homme de terrain, jeune homme? Ça dépend. Ça dépend. Si vous répondez ça dépend à chaque fois, ça va être dur. Fabrice? Est-ce que vous vivez ce qui règne autour de votre profession comme des légendes? En un mot, est-ce qu'on pense que le gendarme est un homme plutôt qui profite de ses privilèges par rapport... On entend parler que les gendarmes ont une très grande affection par rapport au CRS. Est-ce que vous confirmez cette idée? Ça dépend aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ben, le cadeau, ça va dépendre aussi. Hein. Un beau cadeau en plus. Oui, en plus, il y a beau cadeau. Alors, est-ce que vous. Allez, sérieusement, vous êtes prêts? Ouais, allez-y. Trop tard. Vous avez dit oui. Vous avez perdu. Désolé. Au revoir. Applaudissements pour ce jeune homme. Mais nous allons appeler une autre gendarmerie immédiatement. Ben quoi? Il avait déjà dit oui le premier coup. En plus, on n'avait rien dit. Hein. On va appeler une autre gendarmerie immédiatement dès qu'on me fait un petit signe. Et Fabrice. J'interviens pas. Si. Comme vous savez faire. Dynamique, court, concis, clair. Est-ce que nous avons une gendarmerie? Chut, c'est pas mal ça. C'est allô? Il va croire qu'il est 6 heures du mat, le gendarme. Oui, Belleville, j'écoute. Excusez-moi, Belleville? Oui. Dans le Rhône? Oui. Bonsoir monsieur, pardon de vous déranger, Christophe de Chavannes à l'appareil, coucou oui. C'est nous. Je suis avec Fabrice Lucchini. Oui. Bonsoir monsieur, on vous dérange? Non, vous ne me dérangez pas. Vous n'êtes quand même pas emballé. Pardon? Vous n'êtes quand même pas emballé du coup de fil dans les premières secondes, si? Ben vous êtes qui? Christophe de Chavannes, qui est beaucoup plus connu que les malheureux acteurs qu'il y a autour de lui, et Fabrice Lucchini, qui est acteur. Mais c'est Christophe de Chavannes qui vous appelle. Voulez-vous accepter de faire un ni oui ni non, oui ou non, monsieur? Pourquoi pas. D'accord, c'est parti. Vous êtes gendarme depuis combien de temps, jeune homme? Oh, ça fait 4 ans. Quel est votre prénom? Didier. Didier? Déprimé? Pas du tout. Pas du tout. En pleine vous forme. Vivez votre fonction avec vérité ou... Non, je veux dire, vous savez le la différence entre les CRS et les gendarmes, est-ce que vous la vivez dans votre quotidien? Est-ce que vous êtes content d'être gendarme par rapport à la bonne opinion que les gens ont de vous? Bien, ma foi, j'essaye de faire pour le mieux. Très bien. En général, les gendarmes sont des hommes de courage. Vous avez le sens du devoir? Tout à fait, oui. Si une femme vous propose une bombe atomique, quelque chose de sexuellement absolument irrésistible, vous fait des regards très très voluptueux, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, et vous dit, soyez gentil, c'était un orange un peu mûr, mais enfin, on peut se voir demain soir, etc. Quelle est votre réaction? Eh ben, je lui dis tout de suite que je suis marié, que c'est pas possible. Vous le jurez? Je peux faire que ça. Vous êtes un gendarme fidèle. Merci. Il a gagné. Bravo. Allez, bravo. Alors... Quel était votre prénom? Excusez-moi, très rapidement, quel était votre prénom? Didier, vous ne bougez pas, on voit la pub et on voit ce que vous avez gagné juste après, d'accord? Parce que énorme. Merci. A tout à l'heure, Didier, bougez pas. Hein. Merci. Attendez, la pub. Nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Fabrice Lucchini, accompagné maintenant à sa gauche, de Sophie Favier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Très bien, en pleine forme. Patrice? Il faut qu'on dise avant ce qu'a gagné notre gendarme. Eh bien sûr, bien sûr. Il a gagné un filet garni de pauvre... Vous êtes toujours là, gendarme? Didier? Oui, monsieur. Vous êtes là, gendarme? Oui, je suis là. Très bien. Votre prénom est donc Didier? Oui, c'est ça.
ça. Didier, vous avez gagné un porte-savon, une boîte de lait en poudre, un pot de moutarde, une brosse à cheveux, un tournevis, une lampe de poche, un tire-bouchon, une tablette de chocolat, un kilo de petits pois extra fins, plus un cadeau surprise. Patrice ? Alors, il y a d'abord 100 kilos de chocolat. Et ça, si vous voulez bien, les 100 kilos de chocolat, on va voir après, parce que peut-être qu'on peut faire une proposition à monsieur, voilà. Je voudrais qu'on parle de l'autre cadeau. Bon, alors l'autre cadeau, c'est un lecteur Kodak photo CD. Qui est là-bas. Qui est là-bas. Didier, vous venez de gagner donc un lecteur Kodak photo CD. Alors, ça, il faut que j'explique un tout petit peu ce que c'est. Ça veut dire, monsieur, que vous pouvez, avec des nouveaux appareils photo, je crois, prendre... Voilà. Vous avez un compact disque, comme ça, hein, qui vous... ressemble à un compact disque de disque. Vous le voyez, Didier. Oui. D'accord. Bon. Mais ça, au lieu d'avoir des chansons dessus, etc., il y a des photos. Des photos. Il y a 100 photos. Alors, et donc, sur votre téléviseur, vous actionnez votre compact disque et vous choisissez la photo que vous voulez, vous pouvez zoomer, etc. C'est formidable, quoi. Très beau cadeau. D'avoir une Didier, vous avez un téléviseur, déjà. Oui, vous sur téléviseur. Très bien, donc vous pouvez le brancher sur le téléviseur. Pour les 100 kilos de chocolat, qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous demande, on va vous en envoyer quand même, mais que ces 100 kilos-là, on les envoie au restaurant du cœur. Je pense qu'il vaut mieux les envoyer au restaurant du cœur. Vous êtes formidable, gendarme. Applaudissements pour ce jeune homme. On avait envoyé une tonne de couscous, une tonne de cassoulet. On envoie 100 kilos de chocolat, ça fait un peu de dessert. Patrice, rapidement, nous passons maintenant à Sophie. On passe à Sophie, oui. Oui, les chocolats, qu'est-ce que c'est les chocolats? Les chocolats, c'est des chocolats de Neuville, c'est des chocolats français. On vous a déjà vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Noir, au lait, on ne sait pas. C'est des chocolats de Neuville, c'est des chocolats français en tout cas. Mélange. Il y a de tout. Sophie, courrier du cœur. Courrier du cœur, cette fois, oui, parce qu'on a beaucoup de demandes sur notre 3615 code coucou. Oui. Vous savez, Fabrice, voilà. Sophie s'occupe du courrier du cœur, c'est-à-dire les garçons, les filles, les hommes ou les femmes peuvent lui écrire des lettres avec leurs différents soucis, s'ils en ont. Mm. Et Sophie, ma foi, se permet d'y répondre parfois, comme ce soir, en direct et en public. En public surtout. Oui. On vous écoute, Sophie. Donc alors, c'est Marie qui est donc mariée à un homme, somme toute assez charmant, depuis 10 ans. Bon, ils vivent parfait amour. Elle a 40 ans, il en a 50. Et bon, ça fait 10 ans qu'ils vivent, je dirais... Bah oui, mais je vais parler dans noir, alors je ne vais plus pouvoir parler. Oui, mais à l'oreille, vous fumerez tout à l'heure. Oui. Et donc, en fait, ce monsieur ne lui dit jamais qu'il l'aime. Ça, c'est le problème des garçons, ça. Dure. Et il ne lui offre jamais de fleurs, enfin jamais de parfum, enfin jamais de gestes, jamais galant de homme, doux, quoi. Jamais rien. Alors moi je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je trouve ça profondément injuste qu'on épouse une femme, qu'on lui dise une bonne fois pour toutes je vous aime, et puis après c'est acquis, puis on s'en fout. On n'est pas des objets qu'on laisse comme ça, qu'on pose pour faire joli, donc je ne suis pas contente du tout. Donc moi j'ai une petite idée pour cette femme, déjà qu'elle fasse la grève de l'amour pour punir ce monsieur. Mais est-ce qu'ils font l'amour? Oui, ils font l'amour. Je ne sais pas comment me poser pas trop de questions, parce que c'est quand même qu'un message Minitel, donc en quelques lignes, on ne peut pas entrer dans l'intimité des gens. Et puis j'aimerais qu'elle s'offre des fleurs, tous les bouquets du monde, les plus beaux, les plus odorants, les plus colorants, et surtout qu'elle lui envoie la facture, parce que c'est vraiment un goujat, ce mec. Colorant. Colorant, qu'est-ce que j'ai dit? Coloré. Moi, je ne suis pas contente. Les filles sont avec vous, Sophie. Bah ouais, je sais. Mais cela dit, j'adore les garçons, mais des garçons comme ça, c'est pas possible. Mais le garçon est sympathique quand il est sincère, chaleureux, il est sympathique écoutant. Au début, pendant les préliminaires, puis après, crac, crac, la bague au doigt, c'est tout de suite autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous préférez donc le garçon quand même qui est écoutant, chaleureux, sincère, honnête et tout ça vis-à-vis de la femme avec laquelle il est, Fab. Est-ce que c'est pas aussi un grand timide qui ne s'est pas manifesté? Oui, non, là c'est une partie, une sortie un peu curieuse. C'est possible qu'il soit macho, Gouja. Fermé, une fois qu'il a réti, il est content, il s'en fout. Oui, c'est possible aussi que ce garçon soit inhibé dans la formulation affectueuse. Simplement, peut-être, il oublie peut-être. Peut-être. C'est peut-être pas simplement le Passons fait d'être à un autre macho. Exemple, si vous voulez bien. Là, c'est un exemple dramatique parce que c'est Cléolia, c'est un très joli prénom. C'est Cléolia. C'est fille Oui, brésilienne. 22 ans, superbe, brune, magnifique, elle est esthéticienne à Nancy. Donc, je pourrais peut-être vous donner l'adresse, mais plus tard. C'est un véritable problème de conscience, parce qu'elle avoue avoir une passion dévorante pour Patrice Carmousse, qui, je me suis rendu compte sur le Minitel, est devenu un véritable sexe symbole, une bête sexuelle, il faut bien le dire. Merci. Vous savoir ce que ça veut dire, devenir une bête sexuelle sur Minitel. Non mais vraiment, vous plaisez tout autant, mais je veux dire, lui, c'est vraiment, ça dégage. Mais je ne suis pas jaloux, non, Sophie. Non mais c'est purement physique et sexuel, c'est incroyable. C'est je sais purement, pas. Oui. C'est peut-être les C'est vrai que vous êtes maintenant, avant vous pouvez dire plein de trucs de Patrice, maintenant il est une bête sexuelle sur Minitel. C'est incroyable. C'est quoi une bête sexuelle sur Minitel? Je suis un peu inquiet.
Moi, je suis très inquiète aussi, parce que vraiment, c'est la France entière qui vous aime, mais à ce point-là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'elle n'arrive même plus à s'alimenter, à sourire, à vivre, à s'intéresser même à d'autres hommes. Oh, c'est dramatique. Mais comment faites-vous Je ne suis pas un mythe. J'ai un peu peur qu'elle soit déçue dans la réalité. Quand, à votre avis Non, mais. C'est-à-dire que. Non, mais attention. Il ne faut pas se méprendre, simplement. Non, c'est pas contre vous. Mais quand on idéalise comme ça quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a des femmes qui regardent la télévision, j'en suis certaine, et avec les yeux magnifiques qu'il a et ses paroles formidables qui sortent de sa bouche, Fabrice, certainement aussi, les scotch. Mais vous aussi, Christophe. Il n'est pas question de moi. Mais c'est magique la télévision. Vous rentrez chez les gens, on a l'impression de leur appartenir. Demandez à Fabrice quels sont ses rapports, par exemple, avec les femmes. Comment il fait pour les séduire pour... Bah, vous qui êtes une femme, Sophie, car je vous le rappelle, vous êtes une femme. Oui, pareil. Oui, alors comment séduisez-vous les femmes? Par exemple, vous rencontriez Sophie dans une boîte de nuit. Oui. Vous auriez envie de la séduire. Que feriez-vous, Fabrice? Je se décolle. Je la sortirais de la manière la plus élégante de la boîte de nuit d'abord. Genre? Pour essayer de dire que... Genre par les cheveux? Non, essayer de sortir du lieu qui n'est pas un lieu favorable pour la séduction. C'est plus favorable qu'une boucherie sans eau ou... On peut échanger des regards. Intense et magique. À propos de séducteur, non, je raconte ça comme ça parce que c'est passé à Boston. C'est un type qui s'est marié 6 fois. 6 fois, pas mal. 6 fois. Ouais. Bah, y en a en France aussi. Hein. Oui, alors bon, ça, bon, d'accord, ok. Mais lui, 6, avec les 6 sœurs. Ah, il y en a moins. Les 6 sœurs. Les 6 sœurs, oui. Il vient de se marier avec les 6e sœur. Incroyable. Ça devait être très chaud, hein. Oui. Enfin, bon, bref, toujours est-il que j'aimerais que cette jeune femme reprenne voie à la vie. Si vous le désirez. Hein. Et je vais la décevoir parce que je voudrais terminer pour dire à Cléolia. De qui vous parlez, Sophie? Elle est toujours Cléolia, dans son truc. Toujours dans mon truc, moi je ne perds pas le fil, que Patrice Hermoz est un homme marié, fidèle et que, bon, ma foi... Sophie, un autre exemple, s'il vous plaît. Un autre exemple, oui, Vincent. Alors lui, il habite à Liège, en Belgique, il a 33 ans. Alors lui, c'est la véritable victime, il prend toujours des allures de chien battu. Et en fait, il est extrêmement coincé vis-à-vis des femmes, il est, je pense, très très timide. Et voilà, il me demande un petit peu... Il a l'impression qu'on en veut à son argent parce que c'est un fils de famille et que... Alors, je ne suis pas persuadée, c'est lui qui le dit. Sa question, c'est de savoir comment faire pour intéresser les femmes, outre le fait que je sois un petit peu friquée. Et que... Bah, sympa, drôle, pas bête, gay. Mais en tout cas, déjà plus sûr de lui. À l'écoute. Je suis sûre, ouais, aussi. Sincère. Et puis peut-être arrêter justement de jouer les victimes parce que c'est fatigant et que les femmes ont besoin d'avoir des héros. Les femmes peuvent aimer quelquefois les dépressifs. Mais il faut que le dépressif quand même manifeste de temps en temps un petit geste, une espèce de brillance. Chaleur. Les femmes détestent les rats. J'ai remarqué, les femmes, c'est quand même, t'as beaucoup plus de... Les regards sont de plus en plus nombreux à mesure que les entrées augmentent dans les films. C'est pas du tout méchant. Ça, ce serait une caricature de penser que les femmes... Mais je crois que par instinct, les femmes préfèrent plutôt les gagnants que les total perdants. Les hommes aussi, préfèrent les gagnantes aux perdants. Absolument. Non, oh, ça dépend. Certains hommes aiment plutôt les femmes bien un peu joué. Passives. Très fort entre deux. Oui, sans oui, que ça oui, se oui. dégrade un peu, mais très fort quand même. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Encore. Nous écoutons, bien sûr. Vali, qui est de Lorient, et elle a 24 ans, et elle sort avec un... De quel pays d'Orient? Lorient. En Bretagne. Et oui. Peut-être, je ne sais pas. C'est à côté de Bretagne. D'accord. Mais je ne vais jamais en Bretagne, je suis désolée. En Morbihan. Et en fait, elle sort avec le petit copain de sa meilleure amie. Dramatique. Et donc, elle culpabilise. Ça, c'est les filles, ça. Hein. Elle culpabilise très fort. Ça, c'est les filles, ça. Et elle a bien raison parce que, bon, elle se trouve un peu face à une situation relativement délicate. Vous faites de la boulimie ou quoi? Et elle demande comment s'en sortir. Il faut bien qu'on tripote quelque chose. Alors, moi, j'ai pas envie de la culpabiliser davantage. Lui dire que. elle pourrait peut-être en parler avec la copine, dire que le type, finalement, c'est un as. Parce que si c'est la petite amie, je trouve pas ça très catholique. C'est un as? Non, c'est un as. Ah. Et donc, ce type est un faible, donc il n'est ni bien pour elle, ni bien pour l'amie. Voilà. Donc il faut le virer. Pour conclure, elle est terriblement morale. Terriblement ouais, morale. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle a cette popularité. Aussi, une grosse popularité parce que morale. Imaginez qu'elle favorise. Joli coup. Moi? Oui, joli coup. Ah bon, d'accord. Voilà, donc elle devrait, l'amie en question devrait remercier l'amie cette jeune en femme, Vali. Très bien, donc Vali, si vous nous avez écouté, vous le savez maintenant. Je vous rappelle que Fabrice Lucchini est à l'affiche du film de Cédric Clapiche, dont vous avez entendu prononcer le nom plusieurs fois ce soir. Ça s'appelle Rien du tout. Et c'est un film extrêmement détendant. Venez près de moi, s'il vous plaît, pour dire au revoir. Attention, nous nous quittons. Merci, au revoir, applaudissements pour cet acteur-ci. Bon week-end à lundi avec Claude Brasseur. Ah, ça va être sympa.